son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Je salue bien sûr tous les fidèles qui sont venus dans cette cathédrale célébrer l'Eucharistie, les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO. À tous, bonne soirée et bonne entrée dans cette célébration de l'Eucharistie où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Maria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine Fili unigeni, peccata mundi miserere nobis. Et olis peccata mundi suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christi, cum sancto spiritu in gloria. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez de l'ambition ? Alors, vous êtes celui que nous cherchons. Et c'est ainsi que les recruteurs de grandes entreprises recherchent des jeunes aux dents longues, et bien sûr, ils n'en manquent pas. Voilà, c'est important de rechercher quelqu'un qui a de l'ambition quand on veut l'embaucher. Vous savez, aujourd'hui, ne pas avoir d'ambition, ce n'est pas très bien porté. On dit c'est un raté, c'est un loser. Avoir de l'ambition, mais est-ce une bonne chose que d'avoir de l'ambition ? Oui, oui, assurément, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir de l'ambition. Mais la question se pose, c'est quoi l'objet de l'ambition ? De quoi ? Après quoi ? Après quoi je cours ? Si nous regardons nos deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ne manquent pas d'ambition, c'est bien clair. Et il faut reconnaître qu'ils ont du mérite. Ils ont quand même été parmi les premiers à suivre Jésus, alors qu'il était parfaitement inconnu. Les deux qui pourraient revendiquer la même chose sont Pierre et André, aussi deux frères. Il faut reconnaître aussi qu'ils se sont donné les moyens de leur ambition. Ils ont tout quitté pour suivre le Christ. Rappelez-vous, ils étaient au bord du lac avec leur père en train de réparer leur filet. Ils ont laissé la barque, le père, pour suivre Jésus. Il faut se donner les moyens de l'ambition. En plus, ils ont la foi. Ils croient que Jésus est le Messie. Autrement dit, leur demande n'est pas franchement illégitime.
et leur maman en rajoute une couche. Vous savez, toutes les mamans ont de l'ambition pour leurs enfants. Mais de quelle ambition s'agit-il ? Ils ont compris que Jésus était le Messie, c'est-à-dire qu'il sera loin de Dieu. Il sera roi. Alors ils souhaitent évidemment être aux bonnes places dans cette royauté que le Christ est venu assumer. C'est bien cela que le Messie est venu faire. Ils commencent quand même à être un peu déçus au début. Vous voyez, il y a la foule qui veut faire roi Jésus. Et à chaque fois que la foule veut prendre Jésus pour le faire roi, Jésus se dérobe et va se cacher pour prier en secret. Ils commencent à être déçus. Il faut dire qu'ils n'ont pas dû lire la Bible complètement. S'ils avaient lu ce qu'on a prononcé, proclamé, il y a un instant dans la première lecture, le Messie, c'est bien le serviteur souffrant. Peut-être ne l'avaient-ils pas vu quand ils ont demandé à siéger à droite et à gauche. Ils s'imaginaient que le roi, c'était à la manière de David, de Salomon, un roi magnifique, que tout le monde vient servir. Un roi qui a du pouvoir, parce que la royauté, c'est cela, ce que nous connaissons, nous, ce que nous appelons la royauté, c'est bien d'avoir du pouvoir, c'est-à-dire de dominer les autres. Le pouvoir qui s'appuie sur les forces armées, sur la richesse, sur l'asservissement. Et sans doute, voit-il la royauté de Jésus comme cela. Mais ils vont être extrêmement déçus et Jésus les prévient. Celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier. C'est une véritable conversion que Jésus leur demande. Oui, bien sûr, il est roi, mais pas à la manière dont ils l'imaginent. Il sera roi à un moment extrêmement complexe. Il sera vraiment roi quand il sera sur la croix. D'ailleurs, Saint Jean, dans son évangile, insistera sur la royauté de Jésus au sommet de la croix. C'est lui qui précisera tous les éléments de cette royauté, l'écriteau où il est inscrit « Jésus, le roi des Juifs ». Et puis, cette couronne d'épines qu'il porte, certes une couronne dérisoire, mais il s'agit bien de la couronne d'un roi. Et les soldats qui s'amusent avec lui le reconnaissent roi, certes pour se moquer. Étrange royauté qui ne s'appuie pas sur le pouvoir et sur la force comme nous le pensons, mais la royauté s'appuie justement sur l'amour que le Christ est venu nous révéler. C'est à ce moment-là que la monarchie s'exerce. La monarchie, vous le savez, peut-être, vient d'un mot grec, monoarché, c'est-à-dire un seul principe. Le principe de la royauté, nous pensons que c'est le pouvoir centralisé. Eh bien, Dieu nous dit non. Non, le principe de la monarchie, c'est l'amour. Et voilà ce que le Christ est venu révéler. Et celui qui est à sa droite et celui qui est à sa gauche, ce ne sont ni Jean ni Jacques. Et peut-être qu'à ce moment-là, eux qui se sont enfuis sont peut-être bien contents de n'avoir pas été exaucés. Il y en a un qui se tourne vers Jésus, qui est un bandit, certes, mais qui fait un acte de foi absolu et qui se voit ouvrir les portes du ciel. Et l'autre, qui, comme tous ceux qui sont au pied de la croix, sauf Marie et les saintes femmes, et Jean, justement, qui reviendra, se moque de lui et l'insulte. Voilà le renversement total de ce que nous annonce le Christ. Il a bien parlé, celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Mais qui a cette ambition? Qui parmi vous a cette ambition d'être l'esclave de tous? Il n'y a que le Christ qui ait cette ambition. C'est lui qui s'est mis au service de tous pour assurer le salut à la multitude. Seul lui, véritablement, s'est fait l'esclave de tous, lui qui est le Tout-Puissant, lui par qui tout a été créé.
Quel acte extraordinaire! Ce n'est plus l'acte de la création, c'est l'acte de la rédemption et du salut. Dieu nous a créés sans nous demander notre avis, et Dieu nous sauve par un acte d'amour. Et il faut répondre à cet acte d'amour. Il ne s'agit pas, justement, d'une question hiérarchique, comme on l'entend quelquefois. Le premier dans l'Église, eh bien, c'est le pape. Eh bien, le pape s'appelle, d'un de ses titres glorieux, « serviteur des serviteurs ». Nous sommes tous serviteurs, et lui est le serviteur des serviteurs. Voilà le titre de gloire. Et il faut nous en rappeler tous autant que nous sommes, puisque le pape nous demande d'éviter le cléricalisme, c'est-à-dire justement l'abus de pouvoir, c'est-à-dire de dominer les autres. Mais il ne s'agit justement que d'un service. On passe de l'asservissement au service. C'est une conversion obligatoire. Oui, voyez-vous, dans l'Église, il ne sera jamais question de ces réminiscences de l'époque paléolithique, quand l'humanité, sans doute, vivait aussi sous l'influence d'un mal dominant. C'est fini, le mal dominant. Celui qui est le premier n'est pas un mal dominant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'amour qui est incarné, et c'est à lui que nous sommes configurés. Tous, vous, en tant que baptisés, qui êtes devenus fils et filles de Dieu dans le Christ, et nous qui avons été ordonnés, configurés d'abord au Christ serviteur, puis au Christ prêtre, pour ouvrir les portes du ciel, et puis pour certains d'entre nous, au Christ bon pasteur, pour emmener le troupeau et lui faire rencontrer le Seigneur Dieu, son Père. Voilà ce que nous dit le Christ ce soir. Puissions-nous accueillir cette parole et ne plus vouloir entrer dans cette domination des autres, mais dans cet humble service du lavement des pieds que notre Seigneur a assuré. Homo factus
Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, la quête est faite pour les œuvres pontificales missionnaires, pour permettre aussi ainsi à l'Église de poursuivre cette belle mission d'évangélisation de par le monde, dont tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé à cette œuvre. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons par la vie éternelle et que nous chantions dans louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce corps, mais dis seulement une parole et je serai. Oh,
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la quatrième page. Vous avez les différentes annonces, vous avez même les horaires de la fête de la Toussaint. Dans quelques minutes, il y aura de nouveau Dame de Cœur sur le parvis. Donc, vous allez sortir par la rue du Cloître parce que le parvis est complètement bloqué. Et je vous invite à ne pas trop tarder dans la cathédrale parce qu'il faut que on enlève toutes les chaises. Donc, ça va très bien se passer. C'est pas la peine de se bousculer. On va y arriver. Mais voilà, je vous invite à faire une marche tranquille après avoir confié à Notre-Dame de Paris toutes celles et tous ceux qui vont entrer dans cette cathédrale tout à l'heure pour qu'ils soient touchés par la grâce de ce lieu. Prions ensemble. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cher Monseigneur, il y a une manière de gagner du temps, c'est peut-être que chacun d'ici sorte ici avec sa chaise. Non, je plaisante, évidemment. Elles sont attachées. Je plaisantais, bien sûr. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve.